Bonjour, bonjour, c'est Stéphane et on se retrouve pour notre vidéo réaction du match de la Ligue 1, la 16e journée du match de la Ligue 1, lorsque Lille, Paris Saint-Germain, match nul, un partout, mais qu'est-ce que je suis dégoûté, mes amis. Dégoûté, mais c'est quoi ce match pourri qu'on a fait? Match pourri, pourri, je me suis ennuyé. Ennuyé, ennuyé à mort. Mais qu'est-ce que vous avez fait là, les gars, là? C'est quoi cette prestation pitoyable qu'on a fait encore? C'est quoi cette attitude de broquignol? Ah là 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 là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là, cette première période dégueulasse, cette première période. Mbappé, fantomatique, Barcola. Il n'arrivait même pas à faire deux passes. Dembélé, il a eu une occasion en or, il la loupe. À part l'occasion de Vitinha, cadré, à part ça, une occasion on a eu, franche. Et puis le face-à-face de Dembélé, mais à part ça, c'est bien voilà, la proposition du ballon, mais regardez nos occasions. On a eu combien d'occasions cette première période? Pitoyable. Même Lille, ils ont défendu tous derrière, mais ils ont eu des occasions, eux. Avec leur numéro qui jouait, qui a fait la misère à Hernandez. Mais à part ça, voilà quoi. Mais j'ai pas aimé l'attitude parisienne, pas aimé du tout. Et puis cette complot avec trois défenseurs avec Danilo Pereira, Hernandez et Marquinhos, j'ai pas aimé, j'ai pas compris pourquoi il a mis les trois défenseurs. Mais j'ai pas aimé cette première période pourrie du Paris Saint-Germain. Oh là 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 là, si quelqu'un, supporter parisien, a aimé cette première période, vous me dites, parce que moi je me suis ennuyé à mourir, mes amis, à part donner des passes, on se rend à un match dans le ban. À part ça, voilà, pour la mieux. Et puis, on a eu énormément de corners, on n'est même pas fichu de faire un corner correct. C'est quoi ça? Aussi. Oh là là. La deuxième période, pareil, hein, même attitude, pas d'occasion. Trouvez-moi une occasion parisienne à la deuxième période, à part le pénalty, mes amis, à part le pénalty de Mbappé à la 66e minute. À part ça, le but de Mbappé sur une faute sur Hernandez, mais à part ça, après on a marqué le but, on n'a pas respecté le football, bordel de merde, tous en défense, comme des charlots, bande de broquignoles, que des broquignoles. Et les 10 dernières minutes, scandaleuse. Oh là là, scandaleuse côté parisien. Oh là 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 là. Et puis les autres, ils font leur changement, ils font rentrer leur Jonathan David et j'ai dit à mon frère, toi voir, il va nous mettre le but. Et bien voilà. Encore un grand big up aussi à Arnaud Tennes, parce qu'il nous a sauvés. Hein. Il nous a sauvés deux grosses balles. De Rosebel et puis Hakimi, c'est à cause de lui qu'on se prend ce but de naze à la fin. Au lieu de laisser le ballon en touche, c'est à cause de lui qu'on se prend ce but. Bon, à part ça, voilà, on a quand même un point. Parce que heureusement que Nice Monaco a perdu. On gagne un point sur eux. Hein. En classement,
On a 13, 37 points, et le deuxième il a 32 points. Heureusement. Mais à cause de ce Charles d'Hakimi de pas laisser de ballon en touche. Hein? Ah là 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 là. Et puis il restait 1 minute dans les arrêts de jeu. 1 minute. J'ai l'action en cerveau. Pourquoi il laisse pas le ballon en touche? Donner un gros ballon en touche. Pourquoi, Kimi? Pourquoi tu nous fais ça, Kimi? Pourquoi que tu nous fais ça, Kimi? Hein? Après le but, hein, c'est Denis, hein, Kimi qui sauve la touche après qui donne un Lillois, le Lillois qui passe en retrait, Athénas nous sauve encore, Jonathan David la reprend de la tête, et voilà, il peut rien faire, hein, là. Il peut rien faire, le gardien. Hein, il a pas 36 points, 36, 36 bras, et voilà. Mais ça nous apprendra encore une fois, hein, Hakimi, 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 la prochaine fois, tu laisses le ballon en touche. La sauve pas. En plus, il restait 1 minute. Une putain de minute. Une putain de minute. Et voilà. Et voilà. Bravo, bravo, Hakimi. Ah, je t'en veux vraiment, vraiment, vraiment. On a perdu 2 points à cause de toi. Ah. Bon, à part ça, bah, je suis dégoûté, encore désolé de me. Mais voilà, c'est incroyable. Incroyable, Hakimi, il m'a. Oh, je vais me regarder un petit film là pour. Je retombe un peu, on perd 2 points à cause d'Hakimi, quoi. Je suis vraiment déçu de lui. Même de tous nos joueurs, hein, après le but. Tout son défense, on n'a pas respecté le football, on a rien fait, on a. Voilà. Donnez-moi, allez, 3 occasions dans ce match. À part le penalty, à part la belle frappe de Vitinha à la deuxième période, le reste, zéro. Pas d'occasion. Je vous parle d'occasion cadrée, hein, parce que Dembélé, il s'est pas cadré. Après, il a eu des tentatives de Mbappé, pas cadrées, à part son penalty, pas cadré. Voilà. Hein, donnez-moi 3 occasions de ce match côté parisien, à part le penalty. À part la frappe de Vitinha à la première période. Voilà. Et puis ça sert à rien d'avoir 70% du ballon et de ne pas marquer. Le football, c'est marquer des buts, c'est pas avoir 100% possession du ballon, mes amis. Et oui, c'est ça la règle du football, c'est de marquer des buts. Et voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous laisser encore déçu de mon équipe de ce match. En plus on s'est remarqué, si on gagnait ce match, on avait 39 points. On était tranquille en championnat, mais non, et non, et non, encore. Voilà. Bon allez, moi je vous dis à mercredi hein, pour le prochain match face à Metz, dernier match de l'année. La 18e journée, mes amis. Et moi je vous dis ciao, je vais mal dormir de cette dernière minute à cause d'Hakimi quoi. Et voilà. Bon, allez mes amis, moi je vous dis ciao. Allez Paris. Et encore bravo à Lille, ils ont pas lâché leurs supporters. Ils étaient à fond alors avec leur équipe et bon coaching du coach qui fait rentrer Jonathan David. En plus, il était blessé, hein, je crois. Après, je ne suis pas Lille, mais je crois qu'il revenait de blessure. Mais
coaching gagnant. Voilà. Bon, ciao et bye bye.